Lionneau 2002, Varenne au premier plan. Un Serge Aidé en rouge et jaune à ses côtés, le numéro 15 à sa droite. Général Dupomo en blanc et orange, pas très loin. 5, 4, attention. 3, 2, 1, stop. C'est Général Dupomo qui est parti en tête côté corde avec Varenne. Général Dupomo, Varenne avec Jack Hammer, suivi de Fanny Doll. Boom de Boots a perdu plusieurs longueurs. En avant-dernière position, un Serge Aidé. Varenne s'installe maintenant en tête devant Jack Hammer qui est avec Général Dupomo, Hitson Normal et sont devant Fontaine du Poli avec Galopin du Ravary également bien placé, Grâce Ducal. Sortie du tournant avec Varenne, Hitson Normal qui ont le meilleur sur Jack Hammer, Général Dupomo avec Galopin du Ravary et Fontaine du Poli. À hauteur des tribunes, toujours Varenne, Hitson Normal avec Jack Hammer, talonné par Général Dupomo, puis viennent Fontaine du Poli, Galopin du Ravary, Grâce Ducal. Avec Fanny Doll comme Hector, côté corde, Jeff Brazac, à l'extérieur, Jacques de Belouet. Varenne toujours au commandement, devant Hitson Normal, Jack Hammer avec Général Dupomo. Fanny Doll progresse à l'extérieur, côté corde, Fontaine du Poli. Au centre se trouve Grâce Ducal avec Galopin du Ravary, alors qu'un Serge Aidé gagne des rangs complètement en dehors. Bientôt le tournant de Joinville avec Varenne qui a le meilleur, avec Fanny Doll, Hitson Normal, avec Général Dupomo, Galopin du Ravary. À l'arrière-garde, Grassano avec Groom de Boots. En pleine, c'est Varenne qui règle l'allure devant Fanny Doll qui est avec Hitson Normal. Puis viennent Jack Hammer avec un Serge Aidé qui vient tout à l'extérieur. Au centre se trouve Général Dupomo devant Galopin du Ravary avec Grâce Ducal. Varenne, un Serge Aidé sont ensemble maintenant, suivi de Fanny Doll, Hitson Normal devant Général Dupomo avec Jack Hammer et Grâce Ducal. Aborder la ligne d'en face, toujours Varenne qui a le meilleur sur un Serge Aidé avec Hitson Normal, nettement devant Fanny Doll qui est avec Jack Hammer, Général Dupomo, Galopin du Ravary et sont suivis par Hirosaka qui progresse tout en dehors. À la corde se trouve Fontaine du Poli devant Grâce Ducal. Le dernier kilomètre, Varenne, un Serge Aidé, Hitson Normal devant Galopin du Ravary avec Jack Hammer, Fanny Doll, Jacques de Belouet, Hirosaka toujours en dehors devant Général Dupomo avec Fontaine du Poli. Varenne, un Serge Aidé, Hitson Normal aux trois premières places devant Galopin du Ravary qui est avec Hirosaka et sont suivis par Jacques de Belouet, Jack Hammer avec Fanny Doll, Grassano complètement dehors. Bientôt l'intersection des pistes, Varenne qui a l'avantage sur un Serge Aidé avec Hitson Normal devant Hirosaka, Galopin du Ravary avec Grassano et Jack Hammer devant Jacques de Belouet, Général Dupomo. L'entrée tournant finale, toujours Varenne devant un Serge Aidé, Hitson Normal avec Hirosaka, Grassano, Galopin du Ravary et Jack Hammer. Encore 400 mètres de course, Varenne a le meilleur sur un Serge Aidé devant Hitson Normal, puis vient Hirosaka, Grassano, Galopin du Ravary avec Général Dupomo. Pour aborder la ligne droite, Varenne nettement en tête devant un Serge Aidé, Hitson Normal, Jacques de Belouet au galop. Encore 150 mètres de course avec Varenne qui mène avec plusieurs longueurs d'avance sur un Serge Aidé, Général Dupomo avec Hitson Normal, Hirosaka et Grassano. À 50 mètres de l'arrivée, Varenne très détaché de Général Dupomo, suivi d'un Serge Aidé avec Hitson Normal et Grassano, Hirosaka. Arrivée provisoire, Varenne le 18, Général Dupomo le 17, ensuite le 15, un Serge Aidé, le 14, Hitson Normal, le 2, Grassano et le 5, Hirosaka. Général Dupomo, 17, a été disqualifié.